Arrête frère. Elle est en train de tirer sur Jet et elle me flic comme ça. Elle est même pas loin en plus, j'ai mis 69. I think she got ill. I hit him 69. Il met de la terreur. Les gens regardent pas pour le niveau, Samuel Etienne a percé sans avoir joué au début. Non mais Samuel Etienne c'est différent les gars, Samuel Etienne il est arrivé sur Twitch en deux mois, c'est bon, il avait déjà sa base. Phoenix. Why do you follow me and... Donc c'est différent. Samuel Etienne c'est Samuel Etienne les gars, il n'a pas besoin de visibilité Samuel Etienne. Forcément il arrive sur Twitch, il est déjà connu. C'est déjà une star de télé. Alors que moi c'est personne, moi c'est... La seule visibilité que j'ai eue, c'est que je l'ai créée moi-même, tu vois. À force de travailler. Est-ce que je pourrais créer cette visibilité? Peut-être. Peut-être, les gars, meuf, je sais pas. Et oui, les gens ne regardent pas Valorant pour le niveau. C'est pour ça que j'ai arrêté de tryharder depuis très longtemps. Là, on me dit, Sanjay, tu passes immortal, tu gagnes en visibilité. Mon gameplay est pas pareil. Pas du tout même, tu vois. Mais oui, les gens ne regardent pas forcément pour le niveau. Les gens regardent plus pour la personne. Pour le stream en question, pour l'ambiance. Et pour le niveau. Comme j'ai dit, tu regardes pour le niveau, tu regardes Thames. Tu regardes Demon One. Il commence ultra bien cette game. Je suis en kiff total sur cette game. C'est le fun, les gars. Y'a pas une game où on gagne le pistol round des mid game. Je ne sais pas pourquoi. Et quand on perd le pistol ring game, bah, un pistol round, on a plus de chance de perdre la game après. Classique. Après, toi aussi, t'es une star, tu faisais des pranks. Ta race. Oh là là. Oui, moi, je te regarde pour la personne que tu es. Oui, oui, normal. C'est comme tout le monde. Tout le monde regarde un streamer pour la personne. Personne regarde un streamer pour le niveau. Enfin, si, un peu aussi. Mais tu regardes plus un streamer pour l'ambiance et tout. Le fait que tu rigoles que pour le jeu en lui-même. Moi, mon dream stream schedule, en gros, genre le planning de stream. Merde. Parce que je kifferais vraiment, tu vois, c'est parler avec le chat. Faire des live discussions. La vie, tu vois. Mais malheureusement, c'est pas les streams les plus intéressants pour les gens qui veulent me suivre pour Valorant en final. Donc, vous savez très bien que moi, je kiffe parler. C'est vraiment mon kiff total. Et aussi streamer le plus de jeux possible, tu vois. Streamer les jeux que j'ai envie de stream. Faire du League of Legends, faire de temps en temps du Valorant, pas faire tout le temps la même chose, changer quoi. Yes. Pourquoi c'est moi qui drop? Alors que Sova elle a plus de thunes que moi. Samuel Etienne, la preuve humaine que les gens ne regardent pas pour le niveau. Non mais ça je le savais avant Samuel Etienne, j'avais pas besoin de Samuel Etienne pour savoir que les gens ne regardent pas un stream pour le niveau. Quand t'es déjà streamer et que ça fait un bon bout de temps que t'es streamer, tu comprends pourquoi les gens regardent certaines personnes, etc. Mais oui, après ça dépend. Des gens peuvent te regarder pour ton niveau, mais ça dépend des gens. C'est... En fait, il y a plein de trucs à prendre en compte. Il y a aussi la concurrence, par exemple, par rapport aux heures au stream. Si tu stream par exemple le soir, par exemple, moi là je stream ce soir, là, je suis en concurrence avec tous les gros streamers qui sont en stream en même temps. Du coup, forcément, t'as moins de gens. One elbow. Alors, si tu stream le matin, t'es pas en concurrence avec tout le monde par exemple. Je suis en train de donner l'elbow pour lui. Je reste d'elbow. Planting. Bah, on n'a pas l'info frérot qui est en train de planter. Ça coule B depuis tout à l'heure forcément. Sky is pushing city. C'était même pas B, c'était un fake. Et moi je suis en train de parler en même temps, je peux pas me focus dans la game. Bon ça ils le savent pas mes teammates mais... Je suis pas dedans là, je compte parler en même temps. Combien ils veulent que je vois que ça fake qu'on fasse, que je rota et tout. Moi je vois sur la map ça rota B, je rota avec eux. Je peux pas faire plus. Je sais pas comment, pourquoi ça traîne autant dans mes games alors que c'est du bas ascendant, bas... C'est carrément de diamant là. J'ai l'impression que les games sont plus dures là. Que c'est mon main count plus haut elo. Ça n'a aucun sens. Je regarde plus ici. Ça fait des fakes et tout. Genre en bonus round. Non, c'est n'importe quoi.
Et vu que j'ai drop Omen, bah j'ai plus de thunes. J'ai sur mon main count, j'aurais été focus, le Omen je l'aurais même pas drop les gars. J'aurais joué que pour ma gueule, c'est même pas une blague. Je l'aurais drop si j'aurais pu me drop round d'après. Enfin, au final, j'ai quand même pas le drop. C'est bien. Personnellement, je te regarde surtout le samedi ou dimanche matin, oui, normal. Généralement, le week-end, bah, c'est le moment où les gens sont plus disponibles. Et surtout le matin, vu qu'il... Après, le matin, il y a quand même des gens qui streament le dimanche matin et samedi matin. Frère, on a un Cypher, il tient aucun BP. Je vous jure, mes games sont impossibles à gagner. Ils sont trop forts, ils sont trop forts en face. Le matchmaking, je ne sais pas comment il est fait. C'est un truc de ouf. Ok, I'm going to be this long. Ok, là c'est Nekoran. Can someone go ahead, please? Il a changé de BP là. Bah sur le main, non, je vais pas sur le main. J'ai pas joué sur le main toute l'acte, les gars. Du coup sur ce compte, en plus on est en full chain loose, donc on va continuer les chain loose pour voir jusqu'où on peut y aller. Too long. Too long, yeah. Oh, je l'ai éteint sa grand-mère. Et ouais, un joueur flash a eu plus de mal qu'un joueur qui est pas blind, comme d'hab. Final play, magnifique. Magnifique Echo Round. Allez les gars, ça va peut-être relancer. I'm going back to B again. Félix est bien plus fort sur B lang que sur Bain que sur tous les autres endroits. Je sais pas pourquoi je joue sur A en vrai. Je serais bien focus et tout, j'aurais en vrai un peu partout, mais j'aurais plus Félix B lang que A. Après là, je pense qu'ils vont aller sur A, ils ont compris que B ça va être compliqué à push. Il y a un Cypher qui défend, il y a un Félix sur la langue. Ça va être impossible pour eux. J'ai mon ulti. Ouais, je pense que ça va être. Ok. Belong, steps. I'm gonna let them in and I'm gonna ult, ok? I'm dead. Ah, j'aurais dû tirer à travers smoke. Pourquoi c'est toujours la sky la last? Oh, je suis laissé éteint. Félix diff. Bon, au début que je suis passé B, les gars, on a gagné que des rounds et tous les rounds qu'on a gagné, j'ai fait pas mal la diff en vrai. En gros, si je veux gagner des games, je dois carry mes games en fait. Si je carry pas, j'ai perdu automatiquement. Il est pas ouf. Nanananananananana. Yo Sanjay, Dame Mima a voulu te raid, mais tes paramètres te permettent pas. Si, j'ai enlevé les raids. Il y a quelques jours, on a été raid par Alucin. Il y a... Bah, c'était hier, je crois. C'est bizarre qu'elle a pas réussi à me raid. Dame Mima. C'est qui Dame Mima? Smokesby. Désolé, peut-être je me trompe. C'est peut-être. C'est pas la mamie qui joue à Valorant? Pourquoi? Je trouve que c'est pas une mamie en fait, je dis de la merde, mais c'est pas ouf. C'est elle, ok. J'avais peur de me tromper. Bah dites-lui la prochaine fois qu'elle lance son live de la remercier, etc. Super gentil. Mais normalement mes paramètres ils permettent les raids. J'avais réactivé depuis longtemps en plus. Il y avait Aluka qui nous avait raid il y a deux jours. Donc c'est bizarre qu'elle a pas réussi.
Mais ouais, de base c'était bloqué, mais là c'est réactivé depuis. One there and one dice. Your team is not using me. Careful now. Watch your eyes. This super dead. One default, one default. Ah, frère. Je peux rien faire en fait. En fait, si je fais pas un round où je les éteins, bah la game est littéralement perdue. Genre, ça n'a aucun sens. On lui dira, mais elle a essayé plusieurs fois. C'est trop mignon. Trop mignon de sa part. Non, merci, merci beaucoup à elle. Mais c'est pas si grave. C'est bizarre que ça n'a pas marché. C'est comme que tu mets ton chat sur ton second écran. Mais ça veut rien dire, Closenox. C'est parce que j'ai mon chat sur mon téléphone que ça a un impact sur le stream. Tu vois bien que le stream se passe bien. Si les gens ils viennent pas sur le stream, c'est pas parce que j'ai le chat sur le téléphone. J'ai failli me faire tuer. Ça m'arrange d'avoir mon chat sur le téléphone, j'aime bien. C'est très, très amateur et j'aime bien. J'aime bien quand c'est amateur. Flash pour aider. Je savais qu'elle allait push par là. 1 HP, 1 HP raise. Elbow, shotgun. J'ai mis 2 balles dans ses pieds, ça n'a aucun sens ce jeu. Si on te voit baisser la tête à chaque fois, on dirait que tu... Arrêtez, vous êtes des... Vas-y, vous êtes des gamins. C'est tout. Allez vous faire foutre, mais ça veut rien dire ça. Genre je baisse la tête, on dirait que je boude. Alors qu'avant, le chat, il était à droite, je faisais ça, genre on dirait que je me boude aussi, ça n'a aucun sens. Ça veut rien, absolument rien dire. Là, c'est vraiment du chercher le détail qui sert à rien, les gars. Vous êtes des ouf, ça veut rien dire. Genre, juste, je regarde mon écran et je baisse ma tête. Genre, c'est plus simple pour moi de faire ça que de faire ça. Et après, j'ai mal ici au bout de certaines heures de stream. Ça n'a aucun sens. Ça veut rien dire. C'est assez. Ok, j'ai mon ult. Ça ne sait pas défendre. Ça ne défend 0. Et ouais, bien joué. Très beau move. Vas-y, ce jeu il me saoule. Ah non, je peux rien faire. Si je carry pas cette game, j'ai perdu, les gars. Et je peux pas carry. KDA player. Et je peux pas carry cette game en vous parlant en même temps et en jouant que les kills. Là, cette game, faut jouer avec mon cerveau. Et j'ai pas prêt pour jouer avec mon cerveau. Incarriable. C'est dur, hein. On va vraiment démote, les gars. Putain, incroyable. Tomber pour mieux se relever, comme sur Twitch. On tombe aussi sur Valorant, moi ça me va. Hein. Allez, 2 rounds. Yep. Elle saoule à jouer au shotgun, c'est abusé, frère. All B. Pourquoi il tire? Il a une fantôme, pourquoi il tire pas à travers smoke? Il a une fantôme dans les mains. Non, on peut pas gagner, les gars. C'est impossible de gagner, là. Ah, moi, quand j'ai un cypher, il défend pas comme des cyphers en face, alors que quand en face, il y a un cypher, frère, laisse tomber. Last round in the half. Il y a une étude qui est sortie à l'instant qui dit que le taux de concentration sur Valorant baisse quand on regarde son tel. Oui, bah c'est quand on regarde son tel pendant qu'on joue à Valorant. Moi, je regarde mon tel pour le chat. Mais oui, mon taux de concentration, il baisse avec le chat. Mais c'est pas pareil. Pas la même étude, quoi.
C'est quoi les games que je me tape, les gars, sérieusement? Ça n'a aucun sens. Mais je suis pas négatif et tout, en mode, ouais, c'est lose. On gagnera pas et tout. Là, je regarde, elle est meilleure comment elle arrive. Vas-y, je vais pas me prendre la tête, c'est un français en plus. J'ai envie de l'insulter, c'est grand mort, les gars. Je suis mort parce qu'il m'a dit good job Phoenix, alors que le Cypher il a une photo, mais il sait pas défendre, il tire pas. Good job Cypher, je vais le payer. Good job Phoenix. Ah, j'ai envie de l'insulter, frère, mais vas-y, je vais rien dire. J'ai pas d'humeur à m'embrouiller avec un random. Je suis mort une fois au début de run, il m'a dit good job Phoenix. Parce que j'ai pick. Phoenix, fuck you. La reste, elle est contente de m'avoir tué. Cypher, il pense que c'est lui, les gars. On était en défense, il a pas défendu une seule fois le BP. On a gagné 3 rounds, et sur les 3 rounds, les deux rounds qu'on a gagné, c'est grâce à moi. Et après, il dit good job, Phoenix. Il a aucune idée de ce qui se passe dans la game, il est complètement perdu. Alors qu'il est sous Red Bull, full focus sur son écran, pendant que moi je parle avec vous, les gars. Incroyable. Là, il va se prendre la lane de raise. Voilà, free nade. Il y en a deux qui meurent. Voilà, je les prédicte. C'est incroyable, ce jeu. C'est vraiment ce jeu, les gars. Ce jeu. C'est vraiment la kiffance. Oui, c'est quoi ce bug du couteau? Il va avoir le pirate, peut-être j'aime tuer. Il me pique, je suis mort. Ah ouais, elle avait le pirate, peut-être. Si elle me décalait, j'étais mort. C'était surtout pas ton genre hein, d'insulter? Bah, si, là, j'aurais pu insulter. J'aurais pu insulter en vrai. Ce qu'il mérite en fait. Faut pas être trop gentil avec les gens qui méritent pas la gentillesse en fait. Je suis gentil oui, mais je suis pas en... je me défends un peu quoi. Faut pas être full gentil. Mais là lui il mérite de se faire insulter pour le coup. Lui il mérite tu vois. Mais... j'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres problèmes plus importants actuellement que... que m'embrouiller avec Cypher là. Ça va pas me faire avancer dans grand chose. Ça c'est sûr et certain. Je vais mettre la molly. Frère, nos scopes ça marche pas. Hein. Sans être cette game elle est perdue les gars. Ils ont une voix en face, ils ont une raise qui clique, une claw, ils ont tout, nous on a rien. C'est ça, si je carry pas et j'éteins pas la raise chaque début de round, bah c'est perdu. J'ai hâte de voir combien de temps on va perdre, sachant qu'il y aura beaucoup d'écarts de round. On risque sûrement de perdre après vu que c'est... vu que j'ai un même... quand même un bon MMR, même si on démode, je pense que je vais pas perdre tant de temps que ça. La fucking silver, c'est nous les silvers, le Cypher par exemple c'est un silver. Cypher par exemple c'est un silver tu vois. Il est en full try mais c'est pas pour autant que... c'est la honte de full try et des pas perf. Et d'être toxique. C'est ça la honte en fait. La honte c'est pas de pas perf, c'est d'être toxique et d'être mauvais en fait. Mais t'as la limite toxique si t'étais bon dans la game mais... là c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis pas full agressif. Wesh, ils sont combien là-bas? Couvre-moi, s'il te plaît, ça va. La TP. La TP en m'abandonnant. Après, il a bien fait TP. La TP aussi. En train de m'insulter en mode je mets des flashs KD à player alors que je les éteins frérot, c'est juste que mes teammates sont mauvais. J'aime bien comment j'aime bien comment les adversaires sont toxiques avec moi dans le chat. Mytho de flash, du God Destroyed KD player.
Apparemment, sans la flash, la clo me détruit, les gars. Apparemment, alors que j'ai une équipe qui sert à rien, je suis tout seul. On a gagné 4 rounds, sur les 4 rounds, il y a 3 rounds où je les ai éteints. Et ils sont full toxiques avec moi, c'est incroyable. Et c'est plein de mes flashs. Ça veut dire que je mets des bons flashs en vrai. Event in Echo, Stop Cry. Ah là là, ils sont très drôles en face. Hein. La clé, tous les jours je l'éteins, matin, midi, soir. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que la Chloé elle a entendu ce qu'on a dit sur le stream pour nous répondre dans le chat hall. C'était pas normal ce qu'elle a dit dans le chat hall parce que personne lui a répondu dans le chat en fait. C'est bizarre, non? Un TP. Ta mère, Clo. Ta mère. Franchement, elle mérite, les gars, de se faire insulter. Et encore là, je suis chill. Hein. Ta mère, c'est très chill. Hein. Elle m'éteint sans flash, en fait. J'aimerais bien voir ça. Ouais, sans flash, tu t'éteins. Bah, qui s'est fait éteindre? J'ai pas flash, là. J'ai pas flash. Tu tapes une bonne team, mais c'est incroyable, ça. On peut dire qu'on y croit peut-être au comeback. Bah moi je crois pas trop au comeback. Sachant que mon Cypher il m'a flame, on est en 4-14, aucun impact dans la game. Et même les gens qui essayent... Normalement une équipe c'est censé être ensemble tu vois, contre l'équipe en face. Mais sur Valorant t'es jamais ensemble. Même un mec qui essaie de carry une game, bah il se fait insulter par ses propres mates. Est-ce qu'il va flash? Encore quoi. Pourquoi il prend pas le spike et il vient pas? Tu peux les infos. Je peux pas turn. Je peux pas le couvrir, je peux pas turn. Impossible. Elle était bien cachée les gars, tellement bien cachée qu'on l'a pas vu. Viewer et Neko frag. La Clo elle parle beaucoup trop les gars. Franchement j'aurais bien aimé gagner cette game, mange-la moi. Évidemment c'est un français. Et j'aurais bien aimé gagner cette game contre cette Clo. Hein. Et j'aimerais bien tomber un nouveau contre Cypher avec moi là pour l'éteindre. Mais je pense pas que ça sera possible. Si je relance directement après cette game, c'est possible ou pas? Franchement, ça serait my dream en fait. Retomber contre cette Clo et Cypher en même temps. My dream. Bien joué. Je vais prendre l'orbe. Non. La Ned elle a rebondi là-bas. Je suis quand même mort. Bon, Dizzy, hein. Comment c'est bien débrouillé. On n'oubliera pas de report Cypher chez nous.